Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Coucou. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est pour me présenter. Déjà je voulais remercier tous ceux qui m'ont écouté sur la vidéo précédente, ça m'a fait plaisir parce que du coup j'ai déjà 2 abonnés en plus. Ah ça suffit pas, non, faut continuer. Mais c'est déjà bien, donc je vous remercie, merci beaucoup. Après je voulais me présenter et vous dire pourquoi je fais des vidéos comme ça. Donc je suis Maria, comme voilà, c'est ma page Facebook, Maria. Je fais donc des vidéos la plupart du temps pour mettre le point là où ça me dérange, là où ça va pas, là où ça choque, là où ça va pas quoi, où il y a quelque chose à faire, où il faut faire quelque chose, où on sent vraiment que ça va pas bien dans le système actuel. Après, je fais aussi des vidéos avec un peu plus spirituelles, tout en se disant que même si on dénonce ce qui se passe pas dans ce monde, en final, c'est quand même des vidéos spirituelles du fait qu'elles dénoncent quand même quelque chose. Donc, c'est des vidéos spirituelles. Elles sont pas spirituelles, elles sont dans l'amour. Voilà, exactement, elles sont dans l'amour. Donc, derrière moi, vous avez ma petite chaîne YouTube. Et dedans, j'ai inclus aussi la page Facebook qui est la publicité n'est faite que pour les débiles mentaux d'Ixit Coluche. Et là, je dégomme un petit peu les publicités qui passent à la télé. Enfin, c'est des petits moments de loisirs, de plaisir. Voilà. Là, tout à droite, vous avez la chaîne de mon fils. Parce qu'il veut être youtubeur, hein, donc c'est la chaîne de mon fils. Vous pourrez toujours agrandir l'image si vous voulez pour voilà, ça il fera très plaisir. Donc alors moi je suis maman de 7 enfants, j'ai 54 ans. Pourquoi je fais des vidéos? En fait je fais des vidéos sur ce que j'ai vécu, selon mon vécu et ce que je ressens aujourd'hui. Je me dis que si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, au lieu d'en vouloir à la vie pour toutes les souffrances qu'elle m'a infligées, ah bah bien sûr, hein, sur le coup, j'avais gros la patate. Hein. Mais là, maintenant, en y réfléchissant, en ouvrant l'esprit et les yeux, je me dis que, heureusement que j'ai vécu tout ça, parce qu'au final, aujourd'hui, ça me permet de voir la vie comme elle est, de ne plus l'appréhender et de me dire que, il faut faire quelque chose. Oui, mais sans colère, sans haine, sans rien. Bon, ben voilà, on est dans un système, il faut faire avec, il faut... Voilà. Donc, mes vidéos, alors, je n'ai pas suivi de conférences, je n'ai pas suivi de... Comment... De standing, de stapsing, ou je sais pas quoi, là. Je n'ai rien suivi du tout. Au mieux, j'ai lu quelques livres qui m'ont interpellée, qui m'ont intéressée, qui m'ont aidée à évoluer. J'ai rencontré aussi pas mal de gens qui m'ont aidée dans ma démarche. Et je les remercie infiniment parce que beaucoup d'entre eux sont encore parmi mes contacts. Donc, je les remercie infiniment. Et donc, je fais donc ces vidéos. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus rigolotes que d'autres, c'est vrai. Là, dernièrement, j'ai fait sur les enfants disparus et c'est vrai que c'était pas le top et j'étais vraiment très, très mal en la faisant parce que, voilà, c'est des vidéos qui me touchent vu que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai eu 7 enfants, donc c'est des vidéos qui me touchent vraiment et je me dis qu'il ne faut absolument pas. Alors ça, c'est interdit pour moi. Pour moi, c'est interdit, interdit de toucher aux enfants. Les enfants... Juste après, les animaux et l'être humain. Parce qu'en fait, je me dis que les enfants dépendants de nous, quand ils sont petits, ils ont besoin de leurs parents. Donc, on ne peut pas toucher aux enfants. Les animaux, pour certains, sur les animaux de compagnie, et les autres, si c'est des animaux de compagnie, ils dépendent de nous aussi. Donc, c'est à nous de faire en sorte de les aimer, de bien les éveiller, enfin, de les éveiller, de bien les soigner et de faire en sorte qu'ils soient heureux.
Les autres animaux sont importants aussi parce que beaucoup sont en voie de disparition et il faut se battre contre ça parce que c'est absolument pas normal non plus. Quant à l'être humain, j'estime que s'il ouvrait les yeux et s'il était un petit peu moins perché sur tout ce qui est argent, finance, etc., et qu'il redescendait un peu sur terre, hein, qu'il laissait tomber toutes ses richesses, comment dirais-je, ses richesses matérielles, hein, et qu'il redescendrait un peu sur terre, qu'il voyait avec les yeux du cœur, eh ben, il aurait moins de problèmes. Hein. Je veux pas me la jouer. Je parle à jouer Julie, hein, non, je non. Mais en fait, c'est la vérité, quoi. Moi, j'ai pas de, je ne suis pas attachée à tout ce qui est richesse matérielle. J'ai juste besoin pour vivre au quotidien, c'est tout. Après, le reste, je m'en fous, mais je m'en fous. Voilà. Hein, tant que je vis au quotidien et que je peux apporter du bonheur et de la joie à la famille, pour le reste, je n'ai pas besoin de plus. Donc, franchement. Je ne suis pas attachée à ce qui est matériel. Alors oui, c'est vrai, c'est important parce qu'on a besoin quand même de là, d'internet, des téléphones, la télé, etc. Pour faire les vidéos, justement, pour dénoncer ce qui ne va pas. Mais enfin, moi, je pars du principe qu'il faut prendre le bon et laisser le mauvais, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, on n'a pas le choix. Donc c'est comme ça. Et donc, comme je vous disais, je ne fais aucune conférence, je n'ai suivi aucune conférence, je n'ai rien fait du tout. Tout ce que je vous dis, c'est mon sentiment qui me vient du cœur, déjà, et de ce que je vois. Et je mélange les deux, et mon cœur me dit, voilà, il y a ça qui va pas. Et à partir de là, je fais ma vidéo. Voilà. Alors, ça, c'est mon côté. C'est le côté que vous voyez, hein, que je vous montre. Par contre, il y a le côté caché. Le côté caché, c'est-à-dire que pour faire les vidéos que je vous montre, que je vous poste, pour dénoncer, je fais un certain travail quand même. Je fais un travail de recherche. Parce que on me dit, tiens, il y a ça. Bah ouais, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça, hein? Faut bien aller voir. Et les recherches sont parfois très agréables parce qu'en fait, j'apprends plein de choses. En faisant des recherches, j'apprends plein de choses. Et parfois très désagréable parce que ça ne fait que confirmer ce que je sais déjà. Sauf que je vais à la pêche aux informations pour pouvoir vous les mettre sous la vidéo que je vous poste en général, afin que vous puissiez vous informer de vous-même et que vous puissiez voir de vous-même ce que moi j'ai vu. Hein? Donc ça demande un certain travail. En fait, ça ne demande pas un certain travail. C'est un travail à temps plein. C'est un travail à temps plein. Et je ne suis pas payée, bien sûr. Je ne suis pas payée. Je fais ça pour le plaisir, etc. Néanmoins, alors ça va peut-être être le truc qui va vous freiner, mais alors il n'y a vraiment pas de raison. J'ai quand même créé une cagnotte. Oui. Parce que je me suis dit, après tout, je fais du travail. C'est un travail à temps plein. Je fais des recherches. Je fais des posts parce que les vidéos, je ne vous les mets pas brutes. En général, je les travaille, je vous mets des documents, je vous mets des choses comme ça. Donc, c'est tout un travail. Ça prend beaucoup de temps. C'est tout un travail. Et donc, pour ça, ben, j'ai créé une cagnotte Litchi. Alors, il n'y a absolument aucune obligation pour cette cagnotte. Elle est juste là pour ceux qui veulent bien aider. Hein, parce que c'est vrai que c'est du travail, c'est long, c'est compliqué, parfois c'est très douloureux. Et c'est juste pour, voilà, pour partager et pour aider. Mais 50 centimes, 1 euro, voilà, juste ça. C'est pas, j'ai pas besoin de 1000 et 200, hein, juste, voilà, juste une aide, juste pour montrer que oui, effectivement, la vidéo vous a plu et que éventuellement bah, vous participerez bien à ce que je puisse développer encore plus et faire encore mieux. En fait, cette cagnotte, elle me permettrait, moi, à pouvoir avoir acheté des appareils plus performants pour pouvoir avoir donc des informations encore plus performantes et pouvoir aller chercher. Là où, voilà, c'est même pas pour moi au final, c'est juste pour, enfin, en fait, c'est un complément pour aider,
Voilà, c'est un complément pour aider parce que si j'arrive à avoir du matériel un petit peu plus efficace, parce que là je travaille avec mon téléphone quand même, donc c'est vrai que pour faire des vidéos, pour faire des recherches et tout avec le téléphone, c'est un petit peu compliqué, hein? Donc c'est vrai que c'est juste pour aider. Donc je mets en dessous la cagnotte litchi, hein, vous en tenez compte, vous en tenez pas compte. Moi ça me pose aucun problème, ça m'empêchera pas de travailler. C'est juste, on va dire, une façon de dire merci. Voilà, merci pour ce que tu fais. Voilà. Alors c'est tout. Voilà. Donc je m'appelle Maria. Moi je vais vous dire si mes vidéos vous plaisent, si elles vous parlent, abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous, hein, parce que c'est quand même le principe de la chose. Le plus important, c'est de vous abonner et de partager. Voilà. Parce que comme j'ai dit l'autre fois, j'ai vu que les vidéos étaient partagées, mais qu'on ne s'abonnait pas. C'est dommage. C'est dommage. Parce que moi, bah, je retire pas de, en fait, c'est même pas une question d'ego. C'est, voilà, je me dis, à quoi ça sert que j'aide les gens à aller de l'avant, si en contrepartie on partage pas, on s'abonne pas, je veux dire, c'est gratuit, ça coûte rien. Voilà, même si vous envoyez qu'une de vidéo, mais cette vidéo peut-être qu'elle va vous, peut-être qu'elle va déclencher quelque chose en vous, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, c'est mon but dans la vie, c'est ça. Voilà. Donc maintenant que vous me connaissez un peu mieux, bah écoutez, vous avez ma chaîne YouTube là. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a la petite sonnette en bas. Faites la sonner, hein, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. Vous avez ma page Facebook qui est là. Et vous pouvez venir quand vous voulez discuter avec ce qu'il y a. Il y a des posts très intéressants. D'ailleurs, c'est pas familial du tout. C'est juste des posts que je mets pour bah, tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit spirituel, que ce soit dans la matrice, que ce soit peu importe, c'est des posts. Soit que je partage parce que ils m'ont interpellé, soit c'est mes vidéos que je poste tout simplement. Voilà. Et là, la vidéo de mon fils, enfin la chaîne vidéo de mon fils, mon petit youtubeur, qui veut se lancer. Bon, il n'est pas trop. Trop chaud parce que il n'a pas beaucoup d'abonnés. Lui, il voudrait avoir 100 abonnés avec une vidéo. Ouais, vous comprenez, il a 8 ans, donc, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, moi, j'ai essayé de faire partager, mais bon, à un moment donné, bah, il va falloir qu'il s'y mette aussi, pépère, hein, parce que sinon, ça va pas aller du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, ben voilà, ben j'espère que cette vidéo de présentation, ben, vous aura plu. Je vais vous mettre mon site. Instagram, et je vais vous mettre mon site, bah, de Litchi, et vous voyez que ça vous plaît, ce que ça vous, si ça vous plaît, si ça vous dit, je vous dis 50 centimes, c'est bon, il n'y a pas de souci, 50 centimes, 1 euro, peu importe, voilà, c'est, si vous avez envie, voilà, vous le faites, si vous n'avez pas envie, bah, vous le faites pas, juste abonnez-vous et faites sonner la clochette, voilà, pour moi, ça me suffit. Voilà, bah en attendant une autre vidéo avec un sujet plus important. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.